On excite avec un gibier d'une autre basse fréquence. Une bobine variable, une boîte de bobine variable, boîte de capacité variable, boîte de résistance variable, pour avoir la flexibilité de choix des trois paramètres R, C et L. Il y a deux paramètres pertinents dans le. C'est la pulsation propre oméga 0 sur racine de RC et le facteur de qualité 1 sur R racine de L sur C. Facteur de qualité Q égale 1 sur R racine de L sur C. Pour avoir un circuit résonant, il faut avoir un bon facteur de qualité. Q, il doit être très grand. Ça veut dire nettement supérieur à 10. Donc vous avez 1 sur oméga 0, 1 sur racine de LC oméga 0, et 1 sur R racine de L sur C. Entre ces deux paramètres, il faut choisir les conditions favorables, c'est-à-dire choisir les valeurs de la résistance et de la capacité et de l'inductance pour que ça marche très bien. En général, on doit ajuster la pulsation de résonance propre dans le domaine des kilohertz ou des dizaines de kilohertz. Il ne faut pas la faire abaisser à des centaines ou à moins que 100 hertz ou aller à des centaines de kilos, voire un méga. Non. Il faut l'ajuster à quelques dizaines de kilos ou bien quelques kilos. Ça, c'est l'exigence de choix pour que ça marche. Deuxième exigence, il faut avoir un bon facteur de qualité. Or, un bon facteur de qualité exige, a priori, une résistance faible. 1 sur R, racine de R sur C. Ben, il ne faut pas aussi choisir une résistance très faible, quelques dizaines de ohms ou 100 ohms, parce que la résonance du circuit devient résistive et c'est risqué d'avoir un courant intense à la résonance que le générateur ne peut pas débiter. Et donc, vous obtenez un signal distordu. Pour s'enfuir de cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? On choisit, par exemple, R égale 500 ohms, mais on joue sur le rapport L sur C, d'avoir un rapport L sur C très grand. Pour avoir une pulsation, il y a un facteur de qualité intéressant. Allez-y, je vous laisse, travailler. مشي معنا هنا كي باش نبدلوا لي فاريابل كويسي لي فوبا من غير ما نحرك التونسيون لهنا الفريكونس pour apprendre le TP est fait pour apprendre, il n'est pas fait pour réussir l'expérience. C'est complètement orthogonal à l'apprentissage quand on réussit. Je peux te donner les valeurs pour lesquelles ce circuit il marche, il vous apprend rien du tout. Le but c'est l'apprentissage, c'est pas réussir l'expérience. Il ne faut pas d'ailleurs réussir les expériences. Il faut avoir le maximum de catastrophes dans les expériences pour apprendre. Allez-y. Je donne...